Ebola fait une nouvelle victime à Goma. Un deuxième patient atteint de la fièvre à virus hémorragique est décédé dans cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo. 16 jours seulement après un premier cas enregistré dans cette même localité, faisant craindre un risque de propagation de la maladie dans cette cité de près de 2 millions d'habitants à la frontière du Rwanda. Mi-juillet, l'Organisation mondiale de la santé avait élevé au rang d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC. La maladie a déjà tué 1790 personnes selon les derniers chiffres publiés mardi. Bien avec tout ce qu'on a.